Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo réaction du changelog bêta 2.64 et de la bêta aussi, hein. Je suis connecté sur bêta, on va pouvoir regarder ça. On va parcourir un petit peu les nouveautés, on va regarder un petit peu ce qui retient notre attention. Je vais pas m'attarder sur tout parce que c'est assez conséquent, hein. Je vous montre la tête du changelog. Il y a beaucoup beaucoup de modifs, il y a trois classes qui ont été retouchées que sont le roublard, le nutrophe et le cra. Donc on va pas tout lire en détail, n'ayez pas peur, on va juste s'attarder sur ce qui me paraît le plus important et aller tester ça directement sur la bêta. Allez, c'est parti. Alors on a eu des retouches, des anomalies temporelles, ça on en avait parlé précédemment, je vous avais fait des vidéos React, on avait eu des dev blogs hein, qui avaient précédé ce changelog de bêta. Voilà, ça j'en avais déjà parlé, donc on revient pas tellement dessus, il y avait un peu plus de précision. Premier point qui nous intéresse énormément, les familles légendaires. Alors vous savez à quel point j'ai une relation conflictuelle avec les familles légendaires. C'est un peu compliqué. Bon, alors, certains éléments nécessaires à l'obtention d'un familier légendaire ont été modifiés. Donc, en gros, l'obtention, là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'obtention sera plus simple via les mécaniques d'anomalie temporelle et plus via les songes infinis. Donc, ce sera, à mon avis, un peu plus accessible. Changement notable, on pourra les équiper qu'à partir du niveau 200, alors qu'avant, il n'y avait pas de contraintes spécifiques. Bon, ça change pas grand-chose non plus. Et il y avait un type de familier légendaire sur lesquels, une fois qu'on avait eu le bonus, on ne pouvait plus du tout le changer. Qui était apparemment ceux de la quintessence de Bakushana, et bah du coup ça ils l'ont enlevé, c'était une contrainte qui apportait pas grand chose. Donc voilà, maintenant le système passe par des systèmes de croquettes, croquettes infusées qu'on donne à un familier ou à un montilier. À chaque fois qu'on parle de familier, sachez que les montiliers sont concernés aussi. Et donc on pourra choisir le pouvoir et ensuite le donner à un familier ou à un montilier. Alors qu'avant c'était sur un familier ou un montilier donné qu'on faisait les trails et si on l'avait on était content, sinon c'était compliqué. Alors première déception autour de cette feature, c'est que c'est toujours pas disponible sur les montures, donc Dragodin, Muldo, Volcorn. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils fassent une modif du système sans l'avoir mis sur des montures. Alors je sais hein, ils ont des problèmes techniques, hein, c'est pour des raisons techniques qu'ils le font pas. À la base ils voulaient le faire, hein, ils avaient annoncé que ça allait arriver. Ça m'attriste franchement, notamment dans le côté PVP, parce qu'il y a beaucoup de stuff qui sont très intéressants, des mods en 12 PA avec des Volcorn qui sont très utilisés en tournoi. Et bah, du coup, pour le Coliseum, de ne pas pouvoir avoir l'impatience du Habit dessus, c'est assez triste. Bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être que ça viendra un jour, mais là, je commence à désespérer un peu. En tout cas, les bonus légendaires, il y en a pas mal qui ont été équilibrés. Il y en a trois nouveaux. Alors, on va pas tous les passer en revue, mais on va s'intéresser à ceux qui nous intéressent le plus. Alors, précision du bourg, celui-ci est pas mal. Moi, je m'en sers en PVM. Lorsque le porteur débute son tour au contact d'un ennemi, il gagne 3% de dommages à distance pendant un tour. Sinon, il gagne 3% de dommages en mêlée pendant un tour. Ok. Et le pouvoir légendaire fonctionne désormais, même si le personnage est porté par un Pandawa. Bon, pourquoi pas. Alors, première chose hyper importante, impatience du Habit, pas de modification. Ça, c'est vraiment hyper important. L'impatience du Habit, c'est celui qui vous donne 3% de dommages finaux dans un contexte de 3v3 Coliseum PVP. Et vous perdez 2% de dommages finaux à chaque fois que vous tuez un adversaire. Ce qui fait qu'en fait, vous avez 3% de dommages finaux en plus. Ce qui représente quand même 30% du bonus actif d'un Vulbis. Hein, donc c'est assez conséquent. Jusqu'à ce que vous passiez un kill. Et comme le premier kill est souvent déterminant en PvP, en tout cas en Coliseum, c'est celui que j'utilise presque systématiquement en Coliseum. Et celui-ci n'est pas modifié. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième qui était très utilisé, c'est le brutalité du troll, et celui-ci qui était très utilisé pour du PL notamment, en tout cas dans les dimensions. Alors je vous lis les faits. Au début du combat, le porteur sacrifie 1% de dommages finaux par ennemi pour gagner 2% de dommages finaux à chaque mort d'un ennemi hors invocation présent au début du combat, cumulable 5 fois. Donc avant, ce que ça faisait, c'était moins 1% de dommages finaux par adversaire présent au début du combat et plus 3% de dommages finaux à chaque fois qu'on en tuait un. Ce qui faisait qu'en dimension, en fait, dès que vous aviez tué la première vague, vous aviez plus 16% de dommages finaux pour les 4 vagues suivantes. Donc c'était extrêmement utile en dimension. Et là, du coup, on va passer de moins 8 au début du combat. Hein, je réfléchis dans un cadre de butin 8 en PL ou en drop, en farm ou autre. Et on aura du coup que 2% cumulable 5 fois. Donc on a moins 8% au début du combat et on gagnera 10% quand on aura clear la première vague. Donc on n'aura plus que 2% de dommages finaux qui vont rester. Pour les 4 vagues suivantes. Alors là, je trouve que c'est une énorme erreur. Il y a un gros problème. Je comprends en fait la volonté de nerf ce bonus, mais le nerf est beaucoup trop violent en fait. Là, si vous voulez, on peut se mettre sur mon ennemi hein, qui a Léopardo normalement et Cocculte qui sont comme ça en brutalité du troll. Alors ah oui, tiens, j'en profite pour noter un petit détail. Maintenant, le nom des bonus, il est affiché dans le familier, dans la description. Avant, c'était pas le cas. Avant, vous aviez juste la description de l'effet et pas le nom, ce qui était un peu compliqué dans les interactions avec les joueurs. Quand je disais achète tel familier avec tel bonus,
Parfois, les gens ne connaissaient pas le bonus et ils disaient bah, j'en ai un, je sais pas c'est quoi le nom du bonus, etc. Donc là, c'est plus clair qu'il l'ait mis ici. Je reviens du coup à ce que je disais sur la brutalité du troll. Je comprends la volonté de le nerf. Je pense effectivement c'est nécessaire, mais là, le nerf est trop violent. Là, c'est pas un nerf, c'est une destruction complète du familier. Sachant que la première vague, elle est tout le temps un peu plus compliquée à gérer parce que bah, vous n'êtes pas encore boost, vous n'êtes pas encore setup quand vous faites des combats à 8 en dimension. Donc en fait, à mon avis, ça va être jamais utilisé. Vraiment, investir dans un familier légendaire qui coûte extrêmement cher, alors peut-être que ça va devenir un peu plus accessible avec ses modifications, anomalies temporelles et autres, mais ça me paraît quand même être un nerf beaucoup trop violent. Là, ça sert plus à rien en fait. Hein. Vraiment, je vois plus trop de cas de figure où ça va être utile de mettre ça. Alors, passer le bonus de 3% à 2%, je trouve ça tout à fait cohérent. Effectivement, voilà, je peux comprendre qu'il veuille nerf le PL, la capacité à taper trop vite des contenus. Je peux tout à fait comprendre, mais il faut pas mettre une limite de cumul à 5. Parce que là, la limite de cumul, elle est sur le bonus, mais pas sur le malus. Hein, ce qui veut dire que vous prenez moins 8% de malus et que vous n'avez que 5 fois le bonus. Donc il faut modifier ça. Soit il faut juste mettre un impatience du habit inversé, c'est-à-dire 1% de dommages finaux au début du combat, 2% de dommages finaux à chaque fois qu'on tue un adversaire. Ce qui fait qu'à la fin de la première vague, dans le contexte butin 8 dimensions, eh ben, il nous reste 8% de dommages finaux pour la fin du combat, sachant qu'on a tué la première vague avec des malus, hein, ce qui est déjà quand même une contrepartie assez difficile, puisque je le répète, la première vague c'est la plus dure à clear. Donc en vrai, s'il faisait ça, ce serait correct, ou alors s'ils veulent mettre une limite de cumul pour pas que ce soit trop fort, ce que je peux comprendre aussi, dans ce cas, cette limite de cumul, il faut également la mettre sur le malus. Ce qui fait qu'on a moins 5% de dommages finaux au début du combat. Et plus 2% de dommages finaux à chaque fois qu'on tue un adversaire, jusqu'à ce qu'on arrive au max de 5, ce qui nous fait du coup plus 10% de dommages finaux moins les 5% du malus, auquel cas là on a plus que 5% de dommages finaux à l'issue du combat. Donc voilà, dans les deux options que je propose, soit on enlève le cumul 5 et on fait 1%, 2%, on aura 8% de bonus résiduel, soit on met un limite de cumul sur le bonus et sur le malus et on aura 5% de bonus résiduel. Mais là en l'état, avec le malus qui n'est pas capé et le bonus qui est capé à 5 déclenchements, ça fait 2% de bonus résiduel, et là c'est vraiment trop peu. Et à mes yeux, c'est complètement détruire la feature du brutalité du troll. Et en Kama, souvent ils font ça, ils font des trucs qui sont hyper forts. Le brutalité du troll, ça fait des années que c'est hyper exploité en PL. Et quand enfin ils s'y attaquent, ils détruisent complètement le machin avec un nerf beaucoup trop fort. Donc là je dis, attention, il vaut mieux viser un juste milieu sur une des deux options que je propose, ou peut-être une autre. Je pense qu'à peu près tout le monde sera d'accord pour ça. Voilà, ça c'était le brutalité du troll, c'est vraiment le plus important. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà, vous pourrez aller voir hein, la liste. Il n'y a pas grand-chose de dingue. Il y en a quelques-uns qui peuvent quand même faire un peu des abus. Alors, Générosité du Bouac, moi, c'en est un que j'ai longtemps cherché. Je ne l'ai jamais joué parce que je n'ai jamais trouvé, mais j'en voulais pour du Léopardo pour des modes full retrait PM. Pour que je puisse me mettre au crack d'un Kra, par exemple, avec un Anutrophe, et lui transférer des dommages finaux. Je vous l'ai fait. Lorsque le porteur termine son tour au contact d'un ennemi, il sacrifie 2% de dommages à distance pour son prochain tour pour donner 2% de dommages à distance à ses alliés pendant un tour. Donc franchement, c'est pas mal. Ça fait que tu sacrifies des dommages distance sur un de tes persos pour le donner à d'autres. Donc voilà, pour un perso full retraite, pour le donner à des roxeurs, c'est pas mal. Ça, je pense que j'essaierai d'en choper. Ensuite, on a l'immortalité du chaffeur et la protection de la croquis qui donnent des points de bouclier avec différentes modalités, ça peut être assez intéressant à exploiter, notamment en PVM à 8, ça peut être assez fort. Alors là, il y en a un par contre qui pose problème, la robustesse du crackler. Au début du combat, le porteur sacrifie 2% de résistance par allié pour donner 3% de résistance à ses alliés. Là, on a un problème, c'est que si tout le monde dans une team a une robustesse du crackler, eh bien, ça fait que tout le monde gagne des raises en fait. Et sans aucune contrepartie. Je me demande si ça c'est pas un peu trop fort. Est-ce qu'il faudrait pas mettre une limite commune de cumul au pourcent de raise ou un truc comme ça? Je pense qu'il y a quelque chose à voir autour de la robustesse du crackler qui peut être potentiellement un peu trop fort. Voilà, on a un nerf de l'écorce de l'Abracnide, un léger nerf. Lorsque le porteur subit une tentative de perte de PM, il gagne 75% de son niveau en bouclier pendant un tour. L'effet peut être déclenché une fois maximum par tour. Avant c'était 100%. C'est pas mal utilisé en PvP, notamment sur des pandas, hein, avec la picole qui se l'autoproc à chaque tour. Ou contre des classes avec du retrait PM, ça pourquoi pas. Et sinon pour le reste, alors il y a la célérité du Pew hein, qui a fait pas mal parler, qui fait que quand on se fait tacler, on gagne 2 PM, donc ça peut être assez intéressant également. Hein. Des gains de PA PM sans contrepartie, c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant dans pas mal de cas de figure. Tout le loot, et il y en avait un autre aussi.
Alors, toxicité du scorbut, pas de modif, celui-là a été également utilisé. C'est celui qui fait que vous vous mettez des dégâts en début de tour et vous en infligez en zone autour de vous en fin de tour. Pas mal intéressant pour des mods avec du ébène, crocobure en full dofix dans les stuffs. Celui-ci était parfois utilisé, donc je pense qu'il restera toujours utile. Et il me semble qu'il y en avait un autre avec une mécanique de tacle qui donne des PA. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, voilà, vous voyez, il y a des choses intéressantes, quelques petits abus potentiels, et vraiment la brutalité du troll qui s'est faite massacrer, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Il n'y avait pas spécialement besoin. Bon, on passe à la suite. Des modifications d'interface, ok. Des succès avec les anomalies temporelles. Là, je pense que ça, c'était les anomalies temporelles, avant, vraiment, tout le monde s'en foutait. Là, la mage, elle est assez réussie, parce que je pense que beaucoup de gens vont du coup se mettre à faire ce contenu, qui était avant pas du tout exploité. Si en plus il y a des succès, bah évidemment ça va y aller à fond. Ensuite, pour les altérations, donc vous savez, c'est les petits bonus, les petites malédictions qu'on pouvait avoir en haut à droite là, enfin selon où vous l'aviez mis sur votre perso, type les rubes, les transformations quand tu parles à un PNJ en monstre, les potions orangées, les trucs là. Jusqu'ici, tu pouvais en avoir que deux, je crois, en simultané. Là, ils changent le système, tu peux en avoir plusieurs, jusqu'à 5, je crois. Bon, voilà, c'est pas hyper impactant. Ou voire peut-être même plus que ça, sans aucune limite. Bon, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient leur raison. Moi, j'ai jamais été confronté à des catégories où ça me posait problème, personnellement. Ensuite, le sort maîtrise des invocations possède désormais une variante, liberté des invocations. En fonction du choix de la variante, vos invocations seront par défaut maîtrisées ou non. Vous pouvez toujours lancer le sort en cours de combat pour changer de comportement. Bon, ça, pourquoi pas, de toute façon, moi, je resterai systématiquement en invocation maîtrisée. Quelques petites modifs de mes chronix. Alors ça, très important, les sorts des invocations et des compagnons sont désormais visibles dans une nouvelle interface, en dehors du tour du joueur. Les sorts peuvent également être sélectionnés pour être lancés directement depuis cette nouvelle interface. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Parce qu'avant, quand vous aviez des classes invocatrices, les sorts à disposition de vos invocations, vous ne les aviez que pendant le tour de l'invocation, qui est assez court, et qui n'est vraiment accessible que pendant quelques secondes. Sur tout un tour en fait. Donc là vous allez pouvoir mieux anticiper et puis plus regarder bon bah j'avais combien de PA, combien de PO sur tel sort, etc. Beaucoup plus de lisibilité sur le gameplay invocation, et ça c'est vraiment vraiment chouette. L'abandon lors d'un combat dans un canot jet d'eau n'est plus considéré comme une défaite. Vous restez sur la carte et ne perdez plus d'énergie. Donc ça va être très pratique pour s'amuser sur les putsch. Et sinon, après, voilà, quelques petits détails, revue graphique des arbres du Sadida, état affaibli visible par tout le monde, et deux nouvelles cartes de colis pour 1v1 et 3v3, ça fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, globalement, après, le reste, hein, vous irez voir si ça vous intéresse. Quelques correctifs de quête. Visuel des potions d'autopilotage pour Montilier modifié pour mieux se différencier des montures, pourquoi pas. Hôtel de vente des cosmétiques et podium séparés en deux cartes pour que les joueurs qui veulent acheter des cosmétiques n'interfèrent pas avec les joueurs qui veulent utiliser le podium. Alors perso, j'ai jamais vu personne utiliser le podium. Mais bon, je peux comprendre l'idée pour peut-être des gens qui veulent faire des events, des trucs un peu stylés. J'entends, j'entends. Un problème d'affichage apparaissait parfois en hôtel de vente lorsque le joueur déroulait plusieurs ressources pour voir les prix de chaque lot. Ceci est maintenant corrigé. Ah, ça c'est super. J'avais pas vu l'info là. Effectivement, quand on ouvrait plus de 3 lots différents pour faire défiler les prix, on pouvait plus en ouvrir un quatrième. Moi j'ai constaté ça à très nombreuses reprises. Si c'est effectivement corrigé, c'est super. Voilà, après quelques petits gains ergonomiques. Ça fait toujours plaisir. Bon, voilà, maintenant on va passer aux classes, hein, c'est évidemment ce qui nous intéresse presque le plus. Et je vous propose qu'on passe directement sur la bêta pour regarder ça. Allez, on commence par le roublard, on va quand même essayer d'aller assez vite, hein. On va surtout regarder l'essentiel. Alors bon, modification de la panneau de classe évidemment. Première chose très importante, c'est désormais le roublard qui applique les bonus du kaboom et plus les bombes elles-mêmes. Les bonus peuvent donc être dissipés. Ça, c'est quasiment le plus important, c'est-à-dire que les buffs kaboom vont être débuffables. Enfin, les buffs. Le kaboom était déjà débuffable, mais je veux dire les buffs des bombes. C'est-à-dire les bonus PA, PM, PO, dommages finaux.
Et ça, c'était un gros problème en PvP, c'est que le roublard, il boostait en PA et le boost PA n'était pas débuffable. Et c'était un des éléments qui faisait que le roublard était extrêmement puissant. Donc déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et la raison principale pour laquelle les boosts du Kaboom n'étaient pas débuffables, c'était des raisons techniques. Et là, apparemment, ils les ont réglés, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, pour les averses Roublard et Tornade Roublard, le cumul max passe de 2 à 1. Donc ça, c'est pour le retrait. Ça veut dire que si vous prenez deux fois Bombao et Toupie, en gros, bah vous n'allez avoir plus qu'une seule fois le retrait et pas deux fois comme avant où c'était vraiment extrêmement fort, hein, la capacité de retrait PA en zone. Voilà, sinon, bah on parlait de les toupies, ça passe à un lancer par tour, donc en fait, il n'y aura pas de double. Enfin, on pourra toujours utiliser le détonateur ou alors faire des zones, hein, mais voilà, les toupies, elles rendent 3 PA au lanceur et elles passent à un lancer par tour. Alors, ça, c'est peut-être un peu bizarre. Ça peut être discutable. Peut-être qu'il devrait le laisser à deux lancers par tour, mais plus cher en PA. Genre, il n'y a que le premier lancer qui te rend des PA ou le deuxième lancer coûte plus cher. Une mécanique de ce type, c'est peut-être un peu handicapant quand même d'en avoir qu'une seule par tour. Peut-être que ça va rendre le sort beaucoup plus difficile à utiliser. On verra. Sinon, il y a des variantes, il y a des éléments qui passent d'un sort à un autre. Des arrangements entre les variantes qui sont également modifiés. Je regarde un petit peu ce que je vois ici. Le tromblon qui perd un de PO. Donc encore une fois, ça c'est dans un contexte PVP, hein, le roublard au retrait PA qui posait un gros problème. Il y a plein de petits nerfs comme ça qui sont assez intéressants sur la voie haut, qui à mon avis ne détruisent pas la classe. Hein. Je pense que le roublard haut au retrait PA va toujours rester très fort en PvP, mais il sera peut-être un peu moins broken parce que là vraiment c'est un perso, il compte pour deux dans une team PvP. Hein. C'est vraiment terrible en tournoi, en colis, c'est catastrophique. Du coup, on va regarder. Ah, je vois un détail intéressant, le Kaboom qui passe à 4 tours de relance. Ah, j'avais pas capté ça. D'accord. Donc on va regarder quand même directement dans l'interface de sort, ce sera plus facile pour se rendre compte de la répartition des variantes surtout. Ce qu'on peut noter, voilà, Pulsar Shrapnel, je crois que ça a été modifié, Espingole Oblitération avec l'oblitération qui est passée terre. Alors moi je suis très content parce que je joue du roublard full agi en PVM et du coup ça va me libérer l'Espingole. Avant la variante était R également. Ce qui fait qu'on était obligé de choisir, et là du coup je récupère un sort R dans le kit, alors à titre personnel ça me fait très plaisir. Voilà, c'était, je crois que c'était avec la mitraille. Le plombage qui est passé feu du coup. Voilà, vous voyez, il y a quelques variantes qui sont réparties différemment. Et notamment la répartition de variantes la plus impactante, c'est la Reski qui devient la variante d'Arquebuse. Et ça c'est encore un gros nerf du roublard en PvP. Du roublard au retrait PA, puisqu'on pourra plus du coup avoir la Reski qui fait du retrait PA en zone extrêmement fort et l'arquebuse qui permet de debuff. Parce qu'avant, le problème du roublard, c'est qu'il avait tout, hein, le roublard au retrait PA en PvP. T'avais boost, retrait, érosion, debuff, hein, il y avait vraiment de la totale, mobilité. Là, il faudra choisir entre le debuff ou le retrait PA en zone. Et je pense que la Reski étant tellement forte sur un mode au retrait PA, on pourra partir du principe qu'un roublard au retrait PA n'aura plus de debuff. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est que des petits nerfs comme ça qui, quand ils sont cumulés sur la classe, devraient rendre la méta PvP un peu plus saine du point de vue du roublard au retrait PA. Je me demande si malgré ça va pas rester quand même une classe très très forte. On verra après sur le. Faudra tester. En tout cas, ça va dans le bon sens. Donc voilà, plutôt très content des boosts du roublard. Le nerf Kaboom, par contre, à 4 intervalles de relance de 4 tours, est peut-être un peu violent, mais. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite. Le Kra, bon le Kra il y a des choses un peu bizarres, vous allez voir, donc encore une fois on passe sur la panneau de classe. Alors flèche magique, le vol de PO sur les ennemis passe de 3 au lieu de 2, le bonus sur allié passe également à 3. Et le sort peut être lancé sur soi-même. Donc en fait la flèche magique sur le Kra on peut s'en servir comme un sort de boost sur soi-même, sur les alliés, pour booster en PO, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, ça peut être un effet qui se coule, qui sert de temps en temps. Après, bon, il y a quand même pas énormément de cas de figure où on joue flèche magique plutôt que flèche de concentration. La concentration étant tellement forte pour faire des zones. Mais bon, c'est bon à noter. Je passe encore une fois rapidement, je m'attarde juste sur ce qui me paraît le plus important. Alors, on a des modifications en termes des sorts de boost. La maîtrise de l'arc qui devient la variante de balise de rappel. Voilà, globalement, ça change pas grand-chose. Pour le reste. La flèche du jugement qui passe à un lancer par cible. Donc la flèche du jugement, vous savez, c'était ce sort terre qui tapait une ligne de dommages
un variant et une ligne qui dépendent du nombre de PM utilisés. Extrêmement fort sur des modes terre de crit, hein. On a vu pas mal de modes perso, je jouais beaucoup du Kra en Bruce Vula dans PvP. Extrêmement puissant, et même en PvM, hein, c'est aussi le meilleur sort de dégâts sur un mode multi de crit. C'est extrêmement extrêmement fort. Donc ils l'ont passé à un lancer par cible au lieu de 2. Mais du coup ils ont up les dégâts, ça me fait presque délirer. Donc là les dégâts vraiment pour un sort à 3 PA sont énormes, énormes, énormissimes. Donc en farm ça va rester hyper fort, clairement je vais les spammer sur les mobs. En PvP ce sera juste un peu moins pratique parce que du coup on pourra plus en mettre 2 sur un perso. Mais bon, le sort reste objectivement hyper puissant. S'ils n'avaient même pas up les dégâts, le sort serait resté très très fort. Donc bon, ça reste un sort extrêmement puissant. Ensuite, détail important, le tir puissant qui augmente également les chances de coups critiques. Et du coup, vous vous en doutez, le tir critique a été supprimé. Donc voilà, je vais vous remontrer sur l'interface ici parce qu'on voit mieux. Donc le tir puissant, il fait 250 de puissance au sort et 10% de crit, et augmenté à 290 de puissance au sort et 12% de crit en cas de coup critique pendant 3 tours avec un intervalle de relance de 4 tours. Donc moi je trouve que c'est pas mal objectivement. Ça fait qu'il y a moins besoin de se bouffer plein de PA pour se full boost avec un crave. Il y avait tir critique, tir puissant, maîtrise de l'arc. Là du coup il n'y a plus que deux sorts qui centralisent tout ça. Ça reste objectivement des boosts très forts. Hein. Là-dessus il n'y a aucun doute. Donc vraiment pourquoi pas. Ça libère des slots après vous allez voir pour d'autres choses. Alors j'ai vu que ça a fait pas mal de réagir parce que du coup il y avait des gens qui calculaient en fait pour être à 100% de crit sur leur sort et ils aimaient bien les 14% du tir critique avant. Alors j'ai une petite réflexion par rapport à ça. Le problème c'est que tous les sorts n'ont pas le même taux de crit de base. Voilà, typiquement là on voit qu'il y a 20% d'écart de taux de crit entre une flèche d'immo et une flèche punitive. Donc ceux qui cherchent du 100% de crit sur leur sort, soit du coup ils vont l'avoir que sur les sorts avec le taux de critique de base le plus haut, donc ils n'auront pas un 100% de taux de critique sur tout, donc ça casse un peu de la volonté d'aller chercher forcément le 100% de taux de critique. Soit ils l'ont partout, ce qui veut dire qu'ils ont plus que 100% de taux de critique sur les sorts au taux de critique de base le plus haut. Ce qui veut dire que c'est du gâchis en fait dans le stuff, il y a trop de pourcent crit par rapport à ceux qui optimisent le rocks. Donc moi je suis de la team plutôt à maximiser les dégâts moyens plutôt que d'aller chercher les pourcent crit sur les sorts. Ce qui fait que sur un mode où on va de toute façon s'approcher des 100% de crit, en général c'est plus rentable de mettre du do crit. Ou du dommage sort ou ce genre de choses, voilà, donc c'est un petit détail. En tout cas moi le fait que le tir puissant booste 10 ou 12% de crit selon qu'on crit ou pas me traumatise absolument pas. De toute façon, je fais en sorte d'être toujours un peu en dessous des 100% de crit sur mes mods. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour moi. Mais j'ai vu que ça a fait réagir pas mal de joueurs. Ensuite, ce qu'on peut noter, petit coup dur, la flèche curative est supprimée. Donc flèche curative, c'était un sort, c'était une variante de flèche empoisonnée qui faisait un 100% de PV max. Ce que je trouvais vraiment très intéressant pour des mods notamment en PVP qui n'étaient pas terre. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir sur un Roxer et Rodeur... un sort de soin en pourcent de PV max, ce qui fait que sans être feu vous soignez beaucoup. C'est un peu dommage qu'il ait supprimé, mais je trouvais ce sort vraiment très très bien, je m'en servais aussi en PVM, pas mal. Bon. Alors c'était un sort un peu anecdotique dans le kit du Kra, mais je trouve qu'il faisait du bien. J'ai vu passer pas mal de réactions de style « oui c'est un sort inutile, personne ne l'a jamais joué ». Je suis pas du tout d'accord, moi j'étais vraiment d'avis que c'était un sort utile, très utile, d'autant plus utile qu'il était sur une classe qui n'avait pas trop d'aspect soutien soin, donc voilà. La persécutrice tiens, qui gagne un PO en PO mine. J'avais pas vu ce petit up, ça va faire du bien. C'est souvent qu'il me manquait un PO pour la placer. Sinon pour le reste, alors la ralentissante c'est un délire, vous allez voir. Je regarde, donc voilà, on a globalement plusieurs sorts, on va s'attarder dessus. Alors juste la ralentissante, ça passe de zone de cercle 2 à un cône 3. Ce qui veut être un cône 2, enfin c'est bizarre, je crois qu'ils sont un peu trompés ici. Je vais vous montrer sur le putsch, vous allez vite comprendre ce dont il s'agit. La flèche ralentissante, ça ressemble à ça. C'est un gigacône. Donc c'est la zone, elle est plus petite que l'ancienne hein, qui était un cercle. Le gros avantage, c'est que là c'est sans cible nécessaire, ce qui veut dire qu'on peut la mettre sur n'importe quelle cellule. Et du coup, bah, taper des cellules sur lesquelles on n'a pas la ligne de vue. Avec du moins 3 PA en zone et quand même des gros dégâts, franchement, ça me paraît assez fort. Je pense qu'en farm pour le rocks et en PVP pour le retrait en zone, c'est un sort qui peut être vraiment très très puissant. C'est mon avis.
Voilà, à voir. Ensuite, ils nous ont mis des variantes bizarres. Œil pour œil. Ah non, pardon. Miroir aux alouettes. Alors celui-là, ah, vous voyez, il me traumatise. Déjà, le nom me traumatise. Pose un piège monocellule qui attire les cibles et retire des PM aux ennemis en zone lorsqu'il est déclenché et qui fait moins de PM esquivable. Voilà, donc c'est un piège sur le KRA. Ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Est-ce que je l'ai? Alors évidemment, à chaque fois que je lance. Chaque fois que je lance un push pour tester un truc, j'oublie de prendre ce que je veux tester. Hein, ça, c'est la grande classique. Et en plus, on est sur bêta, donc j'ai pas mes raccourcis classiques. Je suis en panique. Tout va bien. Ok, miroir aux alouettes. Hop. Donc, c'est cette chose-là. Un petit piège qui fait. Alors, pourquoi j'ai pas mes sorts dedans? Je sais pas. Qui fait une attirance en croix, exactement comme une flèche de concentration. C'est terrible que j'ai pas mes sorts. Comment ils m'ont enlevé mes sorts de la bêta là? Je voulais mettre une cabotte. Tac. Donc voilà, c'est assez surprenant sur le kit du KRA. Voilà, tu peux faire ça. Hop. C'est exactement comme si tu poses une balise, tu fais une flèche de concentration. C'est exactement le même déplacement. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. C'est sans ligne de vue. Sans ligne de vue PO modifiable, ce qui veut dire que tu peux le mettre un peu où tu veux sur la map. Ça me surprend, j'ai du mal à voir vraiment l'intérêt, surtout que le déplacement, encore une fois, il est redondant avec la flèche de concentration qui fait exactement la même chose. Je vous montre. Là, tu fais... Hop. Concentration, c'est exactement le même déplacement. Je trouve ça un peu surprenant. Voilà, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Ça a fait réagir plein de gens en mode oh là là, ils mettent des pièges partout. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. C'est surtout que quel est l'intérêt de mettre ça dans le kit? Je suis un peu sceptique. Alors, je dis pas que ce sera pas intéressant, notamment tu peux faire des moves à base de. Quand par exemple, t'es taclé, tu joues pas avec ni flèche de dispersion, ni flèche de repli. Tac, tu poses ton piège. Une entité, cabot ou balise, hop, tu te détacles. Ok, ça peut être intéressant. Voilà, je dis pas que c'est nul, mais ça me surprend dans le kit, c'est un peu bizarre. Voilà, ça me surprend. Et ensuite, la variante, c'est œil pour œil. Œil pour œil qui fait un peu comme un coup pour coup de Yop, avec en plus du vol de PO. Voilà, c'est quasiment exactement la même chose qu'un coup pour coup. 3 PA, 6 PO de base. Bon. Moi, je trouve que de la même façon que sur le coup pour coup, il faut mettre des limites de déclenchement par tour à ce genre de sort pour éviter les abus à base de dopou. Il faudrait mettre 3 ou 5 déclenchements par tour max, parce que sur le Yop, il y a le même problème. Tu peux mettre beaucoup beaucoup trop de dopou, t'as moyen de faire des abus en fait. De type beaucoup trop fort en PvP et de type abus en PvM. J'estime qu'il faut mettre des limites de proc à ce genre de sort. Voilà pour les variantes. Donc je trouve ça un peu bizarre. Et moi, ce que je suggérerais à la place du miroir aux alouettes, que je trouve vraiment pas très intéressant, ce serait de mettre plutôt une balise. Pour pouvoir exploiter le gameplay balise, parce que le problème du KRA, c'est qu'il a son gameplay sur les balises qui est pas inintéressant. Le truc, c'est que les deux balises, elles sont en variante de sorts de boost qui sont hyper forts. Donc, c'est quand même compliqué de s'en passer en fait, je trouve. C'est un énorme sacrifice de dégâts pour gagner un peu d'utilitaire de balise. Et j'estime que ce serait peut-être sympa d'en mettre une pour que tous les KRA ils aient dans leur kit une balise pour jouer avec, APO modif. Ça pourrait être une piste à explorer, voilà. L'œil pour œil, pourquoi pas en PVP. Et je verrais bien la même petite balise, notamment pour le PVM en variante. Ça pourrait être une piste à explorer, vous me direz ce que vous en pensez. Mais vraiment là, le miroir aux alouettes, à part pour le côté, regardez, on a mis un piège sur le KRA, je vois vraiment pas trop l'intérêt. Voilà. Et ensuite, dernière chose intéressante à noter, c'est la Vendetta. Alors, c'est un petit sort, variant de Sentinelle, augmente les chances de critique de l'allié ciblé appliqué à Vendetta. Pendant un tour, les ennemis qui occasionnent des dommages à la cible subissent des dommages supplémentaires pendant un tour. Voilà, 10-15 critiques, dommage subi x 5%. Alors, ça c'est. Il manque un truc, hein. C'est x 105%. C'est plus 5% de dommage subi en gros. Voilà, donc c'est un peu surprenant, c'est ce sort-là. C'est. Pourquoi pas? Je vois quand même pas mal de soucis de type abus avec ça. Bon, les intervalles. Enfin, non, il n'y a pas vraiment d'abus en fait. Non, en vrai, pourquoi pas? Le seul truc, c'est que si tu le joues avec un panda, en fait, tu mets ça sur ton panda. Et tous les mobs, vous savez, il y a pas mal de strats en PVM avec un panda tank qui va porter par exemple un craft ou le dégât. Et le panda, il va pouvoir du coup proc bah, 15% de dommages subis supplémentaires sur tous les mobs qui vont le taper dans le tour. Donc ça fait un peu genre une free vulnée de la part du KRA, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Après, le sort n'est pas non plus hyper fort. Hein. C'est tous les 3 tours, 10% de crit, c'est un peu l'effet qui se coule.
Voilà, ça me paraît ok tiers, pourquoi pas, à voir. De toute façon, je pense qu'en PVM, je jouerai plutôt Sentinelle. Et le Vendetta, il peut être intéressant, certes, en PVP. Voilà, en PVP, sur un perso qui est focus, tu lui mets ça. Les adversaires qui le tapent se mettent des vues le nez. Donc ça peut dissuader un peu du focus. Donc en ce sens, vraiment, pourquoi pas, à voir ce qu'on peut en faire de ce sort. Mais c'est vraiment le miroir aux alouettes hein, qui me perturbe sur le cra. Le reste, après, j'ai un peu envie de dire RAS. Ça reste globalement... Voilà, ils ont fait quelques modifs, il y a eu des modifs sur la flèche complice, ils ont enlevé la flèche d'abolition, que j'aimais bien, c'était la plus grosse source de dégâts air du Kra. Voilà, mais globalement, ça change pas trop le gameplay, notamment en multi-de-crit pour du farm, et en PvP, ça offre des options intéressantes, donc pourquoi pas. Et on termine avec les Nutrophes. Les Nutrophes, globalement, qui a pas mal de variantes également qui sont réorganisées. Pas notre classe, évidemment, changée... Alors ils ont introduit un truc sur tous les sorts à déclenchement. Donc voilà, sur la dernière refonte ennemie, on avait eu des sorts à déclenchement un peu partout. On va prendre pour exemple l'orpaillage. Pendant deux tours, occasionne des dommages hauts si la cible subit une tentative de retrait PM. A chaque nouveau déclenchement, l'amplitude minimale et maximale des dommages augmente. Voilà. Donc le premier des dommages que vous mettez c'est 10 sur déclenchement retrait PM. Le deuxième c'est 8 à 11, le troisième c'est 14 à 13. Franchement, ça sert à rien. C'est vraiment... faut arrêter de mettre des trucs dans le jeu qui alourdissent la compréhension, la lisibilité, pour que dalle. Sachant que sur ce genre de mode, ce qui va être valorisé, ça va être les dommages fixes. Donc faire varier les dommages de base, sachant que c'est les deux fixes qui vont être responsables d'une grande partie du rox, c'est vraiment mettre des lignes de description pour rien, ça rend le jeu moins lisible, ça l'alourdit. Faut aussi penser aux joueurs, aux débutants, aux nouveaux joueurs, qu'ils arrivent, ils ont des trucs comme ça à lire, ils se disent « mais pourquoi ?» Vraiment, ça sert à rien du tout. Donc pour moi, il faut juste virer ça, c'est vraiment complètement, je vois pas l'intérêt. Aucun sens, et ils ont mis pareil sur tous les déclenchements. Pareil pour éboulement avec le retrait PO, vous voyez, premier dommage 12, ensuite 10 à 13, ensuite 6 à 15. Pareil pour la monnaie sonnante. Et pareil pour le coup Grisou, vraiment c'est random complètement, ça sert absolument à rien. Je vois pas du tout l'intérêt de mettre ça. C'est vraiment faire des modifs pour faire des modifs, là y a, je vois aucune plus-value, c'est juste de l'alourdissement des descriptions des sorts et de la perte de lisibilité. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, ils ont mis ça du coup sur tous les types de sorts, hein, ça alourdit énormément. Le gisement qui passe à 3 PA, ça c'est assez fort à noter quand même. Le gisement du coup qui tape et qui soigne en zone, notamment en PVP sur des modes feu soutien. 3 PA c'est quand même un sacré sort, très très puissant. Ensuite, le remblai qui prend un retrait PO en plus des effets qu'il avait avant. Donc remblai, sort terre, PO modif, zone, épée du up, qui tape terre. Et en plus on a un petit moins de PO, bon cumulable qu'une fois. Bon c'est un peu random, ça peut permettre de proc les éboulements du coup. Pourquoi pas, moi limite je suis content parce que mon ennemi je joue terre haut retrait PM, donc avoir un petit retrait PO en plus ça peut servir. En zone en plus c'est quand même assez atypique. Voilà, c'est un tout petit effet. Ensuite la bêche animée qui booste les Nutrophes quand elle tape, un peu à la façon d'un chaton des K-Flip. Voilà, c'est à noter, ça, pourquoi pas, ça peut... donner un peu plus de rocks à l'ennemi, de mettre aux adversaires le côté, faut faire un choix entre clean les invoques ou pas. Ok. Alors, le nerf le plus important, c'est l'abattement. L'abattement, donc c'est le sort R retrait PA de l'ennutroph, celui-ci. Qui était pas mal spammé, hein, le mode R retrait PA de l'ennemi, c'était celui que j'ai le plus joué en PVP, en tournoi, c'est vraiment très intéressant. Et c'était le seul sort retrait PA de ce type qui était cumulable, qui restait dans le jeu, et là ils l'ont... Ils l'ont passé à un cumul max des effets, donc on pourra le mettre deux fois par cible, mais ça ne fait que moins 2 PA au plus, alors qu'avant c'était jusqu'à moins 4. Donc c'est quand même un gros nerf du retrait PA de l'ennu. Je suis pas convaincu qu'il y avait forcément besoin de ça, l'ennutroph c'était pas non plus une classe qui était broken même après la refonte, elle restait ok dans certains cas de figure, mais c'était pas non plus giga fort. J'ai l'impression que ça fait un peu mal ce nerf quand même. Mais bon. Ensuite... La pelle de fortune, c'est laquelle? Pourquoi je trouve pas le sort? C'est là, ouais, ok, c'est la signifuge avant. Qui donne des bonus, fuite ou puissance ou retrait PA, PM, un peu à la façon d'une roulette des K-Flip. J'ai l'impression qu'ils ont fait un K-Flip-like, hein,
Ils se sont peut-être trompés de classe, ils ont mis des effets random là entre les sorts qui ont une grande amplitude là, déclenchement, et les effets comme ça, c'est un peu. Bon, pourquoi pas. Tout ça, c'est du petit effet qui se coule à la limite, pourquoi pas. Alors, un des sorts les plus impactants, c'est la décadence, qui a été revue. Sur allié, augmente ses dommages finaux immédiatement, mais les réduit au tour suivant. Sur ennemi, retire des PA immédiatement, mais réduit les dommages qu'il subit au tour suivant. Donc sur allié, ça fait plus 10% de dommages occasionnés, moins 10% de dommages occasionnés, et sur ennemi, moins 2 PA esquivables et moins 10% de dommages subis. Et c'est lançable deux fois par tour, une fois par cible. Donc vraiment, ça c'est assez fort. En PvP, je doute que ce soit très utilisé parce que c'est la variante de corruption qui est vraiment hyper forte en PvP. Mais en PvM, ça me paraît extrêmement puissant. Tu peux spammer les décadences sur des gros roxeurs. Deux fois par tour, 10% de dommages finaux, c'est vraiment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour le reste, voilà, après, pas grand-chose de plus à dire. Et puis encore une fois, vous voyez les variantes qui ont été un peu réparties différemment sur les nutrophes. Encore qu'il n'y a pas énormément de modifs. Voilà, c'est surtout la tourbière. Moi, j'ai retenu parce que sur mon mode terre, avant, je n'avais pas la tourbière. Maintenant, je vais l'avoir de dispo. Bon, c'est pas un sort hyper intéressant non plus, je trouve. Ah bah, ça demande du setup pour être vraiment exploité. C'est un peu compliqué. Bon, après, ça reste du sort en zone. Double ligne de dégâts, donc avec du 2 crit, c'est toujours intéressant. Moi perso, je joue toujours en turquoise et avec du 2 crit en PVM. Donc ça pourra toujours faire plaisir. Voilà, donc des petites modifs. L'ennui, il a pris voilà, des petits nerfs à côté de certains up. Je me demande s'ils y sont pas allés un peu trop durement sur l'ennui. Quelques aspects intéressants à creuser. Il faudra voir pareil ce que ça vaut sur le terrain. Mais pour moi, il faut virer complètement ce côté aléatoire avec de l'amplitude sur les effets déclenchés. Ça n'apporte absolument rien. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette bêta, on est arrivé au bout, voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude, sans m'attarder sur 40 000 détails, évidemment je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir tout ça. Là j'ai plutôt regardé ce qui me paraissait le plus important par rapport à ma perception du jeu, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.